trouver ailleurs. Et on mélange cette terre blanche avec de l'eau, on la tamise, donc elle est juste épurée. Et ça va donner un support pour éventuellement le décor et le vernis qui va venir bien après. La terre de Kiuskla n'a pas de, qui est là, celle-ci n'a pas de vraie couleur en fait. Quand on, une fois qu'elle est vernie, elle est brunasse, c'est pas très intéressant. C'est vernie comme ça. Voilà. Décorer là-dessus, ça aurait pas d'intérêt. Et même faire une pièce de cette couleur-là, c'est pas ça qu'on cherche. Lisa. Oui. J'y vais. Ciao, merci. Ciao, ciao, à plus. Donc après, on va pouvoir avoir cette pièce soit en jaune après cuisson, soit elle peut être miel. Si on teinte notre vernis avec de l'oxyde de fer, soit elle peut être verte si on la teinte, si on teinte le vernis avec du cuivre. C'est tout. Les couleurs, et voilà. C'est très simple. C'est des terres, il faut les différentes couleurs, on pose les unes sur les autres et ensuite un vernis. On n'aurait pas dit que ça allait faire ça, sous couleur. Oui. Ça vernit. De l'eau noire. De l'eau noire. Mais c'est ce qu'elle a. C'est pas de l'eau, en fait, vous avez aussi. Oui, vous avez teinté. Oui, voilà. Pour les teintes. Je dis, c'est bien, c'est ça. Oui, c'est pour faire les teintes. Voilà. D'accord. Ça, c'est pareil. Oui. Je vais remettre mes lunettes. Et avant, c'est bien fait le coup. Oui, c'est le reste.